Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Alien Isolation. Donc, on était dans le secteur et il y a cette munition, mais je sais pas pourquoi. On va établir le courant, ça va être pour ça. Donc, on va s'en servir. On va commencer là-dessus. Il y a toujours notre pote dans le secteur. C'est un ascenseur, ok. C'est l'appareil sur la carte. Ça mène où ce truc? Ouais, d'accord. Vers Systech Lorette, d'accord. Vers Exomanage Jimmy Solution. À côté. D'accord, j'ai deux ascenseurs. Ok, faites plus de bruit. Deux secondes. Il y a un truc que je veux vérifier. Bon, c'est pareil, il faut que j'aille de toute manière. Je voulais zioter un peu les conduits, mais... Bon, on verra après tout. Et donc, on fait pas accès à cette pièce, ça c'est intéressant par contre. Là, il n'est toujours pas apparu, c'est bizarre. Faut aussi se douter qu'il y avait un truc. On va fabriquer ça. Et là, bah! Mais ouais, mais c'est grand comment ici? Je me rappelle plus la dernière fois que j'ai lancé. Quelqu'un doit être au courant de ce qui se passe. Il y a des gens. D'accord, un mec qui s'est juste réfugié là quoi. J'emmerde pas. T'as rien contre moi, j'ai rien contre toi. Ça va, c'est classe. On perd un peu d'air, mais ça va. Oh, si on l'a balancé dans l'espace. Appétissant. Terre d'accès requise, évidemment. Et là, c'est torche plasma. Oh, ça sent le rush. Fait. J'y suis, Wait. On peut séparer le labo de la station principale. Remettez-le en ligne et les systèmes pourront se reconnecter. D'accord, on le met dans une bouteille et on le jette à la mer, quoi. Bah, ils ont fait ça sur notre tourment, en fait, sans vouloir. Vu qu'il est parti avec Ripley. Échelle en or, hein, on n'hésite pas sur les moyens.
peut pas venir ici, la bébête, ça par contre, c'est sûr. Il y a pas de grille, il y a pas d'emplacement, il faudrait qu'elle vienne par là. Quoi. C'est le seul accès qu'elle peut faire. Partout pour passer là-dessous, ça serait sûrement pour repartir sans se faire griller par bébête. Oh, elle est là. Et Apollo qui se yote tout tranquille. Hein? Un peu. Enlever le bug de son. Elle est où? Le tas étage super. Oh putain, elle est là. Je sais pas si la porte est peut s'ouvrir, mais apparemment elle s'ouvre pas parce qu'elle est passée devant. Oh non non, tiens, tu me vois pas. Tu vois pas à travers la vitre. Je crois que si. Oui, j'aime bien. Piti sauvegarde, vite vite vite. Bon, 4, 5, putain ça va être chaud. Si je crée ça va être super chaud. Là je t'ai cramé la tronche. C'est tendu. Elle est juste à côté. Je suis pas vraiment caché en plus. Non, au moins je sais qu'elle peut voir. Alors attends, je vais faire quoi là juste? Activer le système primaire de la mare. D'accord, ok. J'ai la bonne direction là? Oui. C'était où était la pistole tout à l'heure?
pour activer le synthétiseur, je suppose. Pareil le labo, je suis à vous. Faut que je sorte. Les conduits. Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus dans la pièce à côté. Non, on m'enferme avec. Il faut une combinaison et je m'échappe. Il y en avait, je sais pas où là. Putain de merde là, enculé. Elle est au sas. Les gens les conduits communiquent pas. Décrochage de l'unité sont en cours. Veuillez vous éloigner des portes. Point de sauvegarde, il est où? Je suis enfermé avec l'alien quoi. Putain, si je m'en sors. J'étais sûr et certain qu'elle allait nous faire ce coup-là. Faire quoi d'autre? Attends la pressurisation du sas. Évidemment, elle attend devant. Merde! Oui! Oh putain! Oh putain! D'accord, ils ont passé la scène. Ça me prend. Bon, la bestiole, elle part dans la jante gazeuse. C'est réglé. On l'a pu. Gravity, bonjour. Ne jamais lâcher. Putain, en tout cas, elle est forte, hein, la meuf.
Dur, 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 dur. Oh putain. A pu Alien. Au moins, ça, c'est réglé. Maintenant, on doit s'occuper de l'autre enfoiré, là. Quelqu'un m'entend? Ripley, c'est vous? Ouais, wait. C'est moi, espèce d'enfoiré! Vous m'avez enfermé! Vous avez éjecté le labo dans l'espace. Qu'est-ce que vous croyez? J'avais pas le choix! Vous avez vu cette chose? Vous avez vu ce qu'elle a fait? Il fallait que je la sorte de la station. Quel que soit le prix à payer. Ouais. M'utiliser comme un pas. Me laisser crever. Mais ça a marché, Ripley, merde. Ça a marché. Je l'ai eu, cette saleté. Je l'ai largué dans la géocadeuse. Ouais, t'as voulu me tuer. La station est en sécurité. Il y a ça. Il y a aussi le fait que vous êtes une ordure sans scrupules. Je retourne au bureau. On pourra reparler de vos méthodes quand j'y serai. T'en collé. Terminé. Ah, mais on est revenu au point de départ. J'ai pas le soudure ionique. On va sûrement encore revenir ici. Tu sais, c'est que là, on peut courir. Y'a plus l'alien. Youhou. Avertissement. Apollo a fait l'alerte du confinement de danger. Joujou. Oméga, merci. En pleine tête. Je vais quand même fouiller avant. S'il n'y a pas des trucs que je peux ouvrir maintenant, que je pouvais pas ouvrir avant, c'est comme ça, quoi. On sait jamais, hein. Non mais sérieux. Ça on l'avait déjà allumé. La garde que j'ai récupérée. Ça pour l'instant c'est logique. On est revenu dans le hall d'entrée. Donc la porte en face je dois pouvoir l'ouvrir elle. Je regarderai après où il faut aller hein. Y'a quoi de ce côté? Oula. C'est mieux, c'est que je peux courir comme un derrière. Un dératé, pardon. Oh là là, j'ai la voix qui se barre en live. Attends, j'ai pas fait d'outrage juste pour ça. J'ai découpé une porte pour juste de la camelote quasiment. C'est un point de camelote. C'est pas des trucs que je peux fabriquer. Le taser, je vais le garder pour les robots et tout comme ça. Vu que c'est des androïdes, c'est électrique. Je me dis que ça peut marcher. Je vais fabriquer mon tuyau. Après les robots, ça va. On peut s'en débarrasser sans trop de problèmes. Parce que c'est la seule menace qui reste, hein, vu qu'il n'y a plus d'aliens. Coucher, 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 ça marche. Ah. Au feeling. Ok. Y'en a d'autres là qui veulent se frotter? Bon, mais j'ai plus que le fusil à pompe. Bah, dans la tête, ça devrait faire l'affaire. Ah, après, je regarde. Là, je regarde avec tout ce qui vient de se passer. Je regarderai après au niveau du transport. Je vais sûrement prendre un transport pour rejoindre le bureau. Il y a de l'eau. C'est là on avait récupéré l'objet. Voilà la clé là. Il y a un intéressant, on se casse.
encore dû m'occuper de cet abruti. Quand je l'ai écouté, ça, je suis pas sûr. Une fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. J'ai écouté, ouais. Il a eu se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de féliciter les poireaux. Enfin bon. Bon, je vais aller où, juste? Ok, je vais prendre l'ascenseur. Le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Y'a pas des trucs que je peux ouvrir quand j'y suis? Je pouvais pas avoir. Un point de sauvegarde. Évidemment, l'ascenseur que j'ai pris avec le chauve là, il est fermé. Bon, je crois que ça pouvait s'ouvrir. D'accord. Bon, ben... on prend l'ascenseur. Allez, zou. Plus grand cet objet, enfin oui. Ouais, d'accord, ça va très vite. Ripley, c'est Ricardo. Tu t'en es tiré? Et moi, pas grâce à Waits. C'est un salaud sans pitié. Ça date pas d'hier. C'est une grosse tête de mule. S'il avait pris la peine de m'écouter, on n'en serait peut-être pas là. Ce qui est fait est fait. Désolé d'avoir merdé avec le verrouillage. Laisse tomber. Tu m'as fait sortir au final. On se voit au bureau. Moi, c'est débarrasser l'alien. Oui, bien sûr. Bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ce dernier vous a plu. Moi, j'ai pris un grand plaisir à faire pour vous. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'action au début. C'était plutôt pas mal. J'espère en tout cas que ça vous plaît. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager le lien à la vidéo. La chaîne, c'est vraiment super sympa de votre part. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien.